Et nous sommes repartis. Alors, la dernière fois, on avait discuté en fait de peut-être faire la quête de Septel. On va pas la faire. Et pas encore, en tout cas. Je sais même pas. En fait, c'est le truc embêtant, c'est qu'on peut pas la virer. En fait, faudrait qu'elle meure. À la limite, j'ai envie de dire. Mais on va pas la faire encore maintenant. J'ai regardé. Les gardes, ils sont trop nombreux en fait. On peut les combattre. Je crois que maintenant on est du même niveau. Mais ils sont trop nombreux dans les combats. Ils sont grave trop nombreux. C'est genre une quinzaine de personnes à chaque fois. Ah donc non, 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 non. Bon par contre ce qu'on va faire... on avait dit qu'on voulait faire les rats. Donc peut-être qu'on va faire les rats, comme ça, tac tac. Je pense que ça c'est plutôt bien. On a des objets volés encore sur nous, je crois. Ouais, on a encore des objets volés, donc c'est dangereux. on a un objet qui vaut très cher en fait, donc on va pas le... C'est 150 à l'achat pour nous. Donc ça, il va falloir faire attention de pas se faire choper. Mais ouais, on pourrait... Enfin, on peut le faire, ça aussi. Je voudrais bien pouvoir le faire. Mais il faut être... confirmé. Bricoleur confirmé. Elle est combien maintenant? Presque. Ah, c'est cool. Ok. Très bien. Ah oui, viande séchée. Très bien. Donc ouais, on va avoir un problème en fait de faire les gardes. J'ai vraiment pas envie de tester, ça va être compliqué. Relation entre Alpha s'est détériorée. J'ai pas eu le temps de lire, je faisais pas attention. Les troupes entre eux, quoi. Elle, ça tolère, ok. Le loup. Le loup et le sanglier. Pourtant, il a été élevé chez les sangliers. Ah, mais attends, c'est pas l'allée. Ça va, alors. C'est pas l'allée. Du coup, on peut faire ça. On peut faire comme ça. Attends, toi, tu voulais nous parler? Non seulement je suis un combattant hors pair, mais en plus je me débrouille en artisanat. Je ne vois pas qui pourrait refuser de m'épouser. Se réjouir. Célébrer. Ou alors faire une démonstration de ses talents. On va se réjouir. De l'expérience en tant que voleur. La relation, toi, t'as pas de... aussi, toi. Il a des gens à côté de lui? Je sais plus s'il a... Je crois qu'il a des... Oui, on l'a mis avec des gens à côté de lui. On va prendre de l'expérience. Ok. Très bien. Là. Je veux voir ce que c'est, ça. Ah non! Ça disparaît. Putain, l'aube. Ah, attends. Putain, il faut vraiment qu'on...
qu'on campe en fait en avance et tout pour qu'on se réveille à la nuit. Enfin, de toute façon, ça va bien. Un jour ou l'autre, on va bien tomber dessus. Hein. C'est compliqué des fois de voir où ils sont les mecs. La mine de sel, est-ce qu'on peut vérifier ce qu'il y a dedans ou pas? Je me rappelle plus s'il y a des choses. Non. On fait les rats d'abord, avant de faire les mecs. Putain, il y a de la loi partout. Quoi. C'est, il y a des juges partout. Les juges Dread en puissance. Ah oui, il y a lui aussi. Ah, tiens, il y a des. Ah, si on testait. Voir qui c'est. Voir un peu. Alors, Lucilia, je les tuerai tous. Ah, c'est lui. Ah, le mec, il est devenu fou, quoi. Par contre, est-ce qu'on peut pas le récupérer? Elle voulait qu'on fasse quoi exactement, la femme? Genre qu'on l'arrête? Lui, c'est lui qui a défoncé tout le monde. Genre, la femme, elle nous avait... Non, la femme, on lui a ramené le... Sans nouvelles. Oh, on lui a ramené... Comment ça s'appelle? Lui a ramené le collier. Recherché pour de nombreux meurtres. Mathieu Asselin est un individu dangereux. On va voir un peu. J'ai la première fois que je fais ça. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, il est seul. Alors, les élites sont des ennemis uniques. Ils jouent plusieurs fois. Dans le round, observez l'ordre des tours avec attention pour établir votre stratégie. Wow, ok. Compétence vengeance de Lucilla. La plus 150%, toutes les unités dans la zone et les repousses de 6 mètres. Un marteau de guerre dont le manche est recouvert de peau humaine. Le prénom de Lucia est maladroitement gravé. Tuer cette peau appartenait elle. Oh. Aubert de Mathias. Il y a dans cette abomination de métal autant de pièces d'armure que Mathias Lund a fui de victimes. Cette unité ne peut être, ni être engagée ni repoussée. Applique sentence à l'ennemi le plus proche. L'ennemi est pris pour cible. Cette une vie prépare une compétence, elle peut faire aucune autre action et ne peut pas se faire engager. Waouh, critique 111%. On peut le capturer? Ah, mais on peut pas l'engager, on peut pas le capturer. Par contre, t'as beaucoup de vie. Du coup, il y a un truc qui va pouvoir être vraiment intéressant. Je crois qu'on va le brûler aussi. Du saignement et du feu. Du poison. Ah, mais il y a de l'armure, je peux pas lui mettre saignement. Chaque ennemi affecté contre une unité sans armure lui applique saignement. Ah si si si. Si on peut lui mettre saignement. Will. On va mettre du saignement avec Will. Nickel.
applique la sentence à l'ennemi le plus proche. Faites mille plus possible. Et là, il va après attaquer. Attends, il fait 207 de dégâts à toutes les unités dans la zone. Non, non, putain. On va avoir un problème. Hein. Un crit. Ou pas. Donc la cible la plus proche avec lui, ouais. Il a pris des dégâts. Il a pas pris de dégâts. Je crois. Oh là 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 là. On aurait dû utiliser l'ours en fait. Affaiblissement, voilà, très bien. 104. Ah, c'est ça l'attaque? Ok. Fureur. Ralentissement. Quelqu'un peut mettre du... Ouais, bon, non, mais s'il prend rien sur les buffs... Enfin, sur les debuffs, ça sert à rien du coup. Ciblage. Mais du coup, on va être dans la merde, là. Comment on le bloque? Ah non, là, j'ai fait de la merde, là. Dégâts réduits 50%. Ok. Ouais, mais il a déjà... En fait, ça s'additionne pas, ok, ça marche. Oh, j'espère qu'il va survivre. Parce qu'en fait, l'ours, il peut tanker à la limite si on le debuff tout le temps. Mais oui, il va prendre cher. Hein. Est-ce que ça va le tuer? Ah, j'aurais dû garder elle pour soigner. Elle était con. Encore une fois. J'imagine que la provocation fonctionne pas sur lui. Ça va. Ça va, ça va. Ouais, non, t'as tout. Putain, ça c'est salope de... d'avoir fait en sorte qu'ils prennent pas les dégâts de Dot, quoi. Oh là là. Bon, après, c'est un élite, quoi, mais... Mais j'avoue que ils auraient pu faire. Mmh.
Là maintenant il fait du critique parce qu'il saigne. Ok, ciblage. Bon, mais on va devoir le tuer, hein. Pas pouvoir le tuer. Pas avant qu'il joue en tout cas. Ah, il faut un mec avec déviation en fait. Ah, te mets pas dedans. Oh la crosse conne. Elle est mourante, mais elle n'est pas morte. Elle est mourante, elle n'est pas morte. Si elle meurt, je la perds, hein, bien sûr, et on perd la mission. Ils m'ont demandé si je voulais partir. Elle est mourante. Encore une attaque, et après on peut changer. On peut rejouer, tout le monde peut rejouer, ça va. En fait, faut que tout le monde soit autour. Ah! Maintenant, il prend saignement. Et en fait, faut laisser tanker l'ours, quoi. Attends, toi, tu as... Je sais même pas si on doit vraiment le tuer. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire avec lui? Moi, c'est ça qui m'intéresse. On la sauve. Par contre, plus jamais. Hein. Plus jamais. Ok, on peut encore bouger deux personnes avant qu'il tape. Moi, je voudrais bien bouger l'ours. Ou on bouge les deux. Parce que je voudrais bien mettre l'ours. L'ours, il peut tanker. Et... de toute façon, après, il va pas rester sur l'ours. Donc, c'est pas vraiment important. Le truc, c'est qu'il va pas rester sur l'ours. C'est ça, le truc. On va se mettre ça, si jamais il tape. Sentence. Ok, maintenant, dégâts.
Ah, j'aurais dû faire l'inverse. On va faire provocation. Ah, mais ça reste qu'un tour, on est d'accord? Ouais, ça, ça reste qu'un tour. Donc, provocation, c'est pas intéressant. Celui-là, il va se mettre en joue, en fait. Bon, après, ça va, on apprend. Toi, je vais te jouer quand il se sera mis en mode attaque, en fait. Maintenant, en théorie, voilà, il a la flèche. Donc toi, du coup, tu peux toucher le dos et peut-être faire un bon critique. Grosse de dégâts. Toi, t'es protégé, 70%. Ouais, ça va, il a toujours. Hop là. Oh la vache. Très endurant à cœur. C'est quoi endurant? Les gens ne sont pas sûrs des blessures au combat. Masse à deux mains améliorable. Compétence vengeance de Lucilla. Okay. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre quête à faire avec lui? C'est ça que je me demande. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de spécial à faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Après? Ah oui, on veut faire les rats. Ouais, on peut enchaîner sur les rats, honnêtement. On a du matériel, ça va. Taurus aussi. Et ben, notre première élite. Alors. Masse à deux mains, tous les unités dans la zone, on peut s'y mettre. Ok, nickel. Du coup, on a fini sa quête ou je sais pas quoi. De toute façon, le mec il est devenu fou. On va aller voir les rats, là il y a le refuge. On va aller voir les rats. Quoi ça? Des ours? Non, des loups. Ça suffit. Alors. Bon, maintenant il faut décider ce qu'on fait avec la masse.
Requiert niveau 5. Ah, ok. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Du coup, ça serait plus un tank. Parce que lui, il a quand même une vraie très bonne masse. 39 à toutes les unités dans la zone et repose de 6 mètres. Ah, mais le problème, c'est qu'il faut sa cible et tout, quoi. On peut mettre provocation. Non. Non, provocation, c'est tanker. 9 de dégâts. Et là, c'est. En fait, le problème, c'est que pour lui, c'est peut-être pas vraiment très intéressant. Après, il peut se placer un peu n'importe où. Ouais, non, non, non. Ça changerait trop, en fait, son... sa façon de jouer, en fait. Non, on va devoir attendre. Je pense que Tort, il récupérera ça. Je pense. Parce qu'il a rien de spécial, Tort. Donc, à la limite... Ah mais putain, il a vraiment une habilité qui va pas avec la masse, quoi. Non, Kirik, hein. Kirik, faudrait que Kirik l'utilise. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Genre, on trace, par exemple, on fait charge implacable pour se positionner. La provocation, ouais, on la garde. Enfin, c'est ce que c'est, ça sert vraiment, j'en sais rien. Chaque fois que cette unité s'engage, obtenez 1. Ouais, il trace, après il se met en joue et le prochain tour il défonce tout le monde. C'est con parce qu'il a des trucs. Il a des choses, des traits en fait qui vont avec les boucliers et tout ça, amateur de bouclier et tout. On peut tester contre les rats à la limite, j'ai envie de dire. Tort, on va lui mettre. C'est con parce que la grosse masse a commencé à devenir très intéressant. On va voir. On va voir. Ce qui est intéressant en fait dans le jeu, c'est que les ennemis, ils ont pas vraiment la présence d'esprit d'esquiver en fait. Et de se mettre hors de portée des attaques et tout ça, ou du feu en fait. Ils font les lignes droites dans le feu. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. On verra ce que ça donne. Honnêtement, j'ai pas. Ouais, on a utilisé tous nos points de bravoure. Honnêtement, c'est vraiment pas le moment de faire les rats. On va les faire un jour. Hein. Là, nickel. On est bon. Très bien, on est monté à 8. Alors, les rats. Ah oui, il faut s'équiper contre les rats. Il faut du feu. Non, attends. Il faut du feu. On a du feu. On a un peu de feu. On a un tout petit peu de feu.
Alors on va tester, parce que de toute façon il y a beaucoup de rats, donc peut-être qu'avec ça on peut les massacrer et tout ça en un coup, j'en sais rien, on verra. On a les flèches de feu à haut de feu. On a torte au bouclier. Hacker, tu vas prendre une torche. Non, tu vas prendre une torche pleine. Après, est-ce qu'on peut... on a des bombes aussi. Est-ce que les bombes peuvent être utiles? Fais voir les bombes. Petite capsule de fer contient des poudres hautement explosives. Petite explosion. 10% de leur santé maximum à toutes les cibles dans la zone. Embrasement, feu. Moi, je pense pas qu'on ait besoin de ça non plus. Je pense que là, on est bien, là. Puis l'autre aussi, elle a une torche. C'est parti. Vos pieds s'enfoncent dans une sorte de boue répugnante. Le sol tremble. C'est parti. Ah, mais on connaît ça! Arrête de. Pourquoi tu me dis, on l'a déjà fait? Ah, il y en a beaucoup, hein! Il y a 7 excroissances. Alors. Toujours du poison là-dedans, donc c'est la merde. Là, on pourrait déjà lui mettre le feu. Alors l'ours, faut pas qu'il aille dans le poison, sinon ça va être la merde. Oh, il faut des AOE à fond. Kirik. Taurus, Kirik, c'est AOE. Il peut tuer tout le monde ou pas? Il peut tuer tout le monde, Kirik. Alors du coup, on a 8 qui pourrait, qui peut ne, qui tue pas tout le monde. C'est emmerdant ça. Ok, c'est parti. Je pense qu'on est bon comme ça. Ah non, 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 attends. Toi, tu vas pas te mettre là. Toi, tu vas te mettre là. Toi, tu vas brûler les trucs comme ça, toi. Je sais pas quand ça joue, ça. Je pense que c'est... Dégâts de poisson génère sa santé. Donc, cette unité est en vie. Elle génère une zone de poison autour d'elle. Ok. Ah oui, il y a notre voleur là qui a... Bref. Bref, qui a une dague de poison, c'est pas grave. Alors. Ok, il y en a un peu trop, ça marche. Est-ce que tu peux passer les 3? Ok, ça fait déjà 3... Ah, 4, 4, 4 morts, 4 morts. Pas mal. Ça, ça c'est bien pour les dégâts. T'es sérieux là pour les dégâts? Bon, on va peut-être pas faire ça alors. Enfin, sur eux, oui, mais pas sur la matriarche. Ciblage. De toute façon, ils vont bouger, mais ils vont peut-être pas vraiment trop bouger. Alors.
con, hein, qu'on ne tue pas tout ça. Est-ce qu'on a encore d'autres raoules? Par elle. Ok, brûlure, très bien. Un truc qu'on pourrait faire, c'est elle, elle tire des flèches en fait. Et brûle les choses. Un peu à droite, à gauche. Okay, eux, ils vont tous mourir. Bon. Ah, il est aussi loin. Attends. Oh, attends, attends, attends. Alors, 2, 3... 3... est-ce qu'on peut faire 4? Nickel. 5. Pas mal. L'ours, on le met où? Okay. L'ours, il peut rester là et il tankera la matriarche. Enfin, la tanker, non. Mais il va rester là et ça sera lui qui, qui fait des dégâts à la matriarche. On va pas lui foutre le feu à la matriarche parce que sinon, en fait, on peut. On va pas contrôler sa baisse de HP. Par contre, je crois qu'ils viennent de là-haut, les rats. Donc, on va peut-être bouger lui. J'ai peur qu'il se fasse défoncer, en fait. Ah. Ah, il y en a deux qui échappent. Ah oui, elle est où notre... Ok, alors toi, attends. Toi, tu vas défendre, parce que toi, tu vas foutre le feu partout. T'attaques juste vraiment ceux qui sont à côté de toi, quoi. Basta. Au final, on va pas en toucher beaucoup, hein. Je les one shot ou pas? Yes. Je vais me mettre là pour. Si je fais ça, est-ce que ça active son attaque? Attends, fais voir ça. Force les ennemis engagés dans la zone à se désengager. Ils subissent une attaque d'opportunité de leur adversaire. Non, non, ça va pas marcher. Non, non, non. Ça va pas marcher. Eux, ils ont... Enfin, les trucs qui ont beaucoup d'HP, ils vont prendre très cher avec le poison. Parce que le poison, en fait, plus on est dedans et plus ça... Putain, ça lag. Plus on est dedans et plus ça augmente, en fait. C'est 2 de poison à chaque fois. Donc, l'ours, laisse ton... Or, ça, non. L'ours, non.
Après, après les autres, ils peuvent, mais il faut quand même que j'ai des gens qui bloquent les rats, quoi. Là, je peux pas m'avancer, là j'ai un peu merdé en fait. J'ai mis du feu partout. J'ai mal. J'ai mal tiré. Après l'alpha, il peut peut-être fonctionner. C'est pas elle qui devrait aller dans le poison, parce que c'est elle, elle peut soigner. Bon, bref, pas grave. Fait chier qu'elle, elle peut. Il n'y en a pas beaucoup en fait qui peuvent one shot les trucs en, au final. Oh! Si je sais où ils apparaissent avec Kairi, Kiri là, je peux me mettre en joue et taper au tour prochain. Je sais pas si je peux faire ça. Ça demande de savoir exactement où ils vont en fait. Oh yes! Ça fait un critique. Vraiment bien. Ça c'est gratuit et il peut le faire à tous les tours. Oh ta merde. Préparer pour faire les autres. Alors, vas-y. Quand j'aurai tapé... Oui, normalement, je peux jouer après. Voilà, on va pouvoir en tuer pas mal. Alors, vengeance de Lucilla. Pardon? On peut avoir un rat avec nous? Intéressant. Par contre, ouais, les mouvements, c'est chaud, quoi. On peut
prendre un rat avec nous. Moi je dis pas non. Oh putain, il y a des rats là aussi. Est-ce que ça a pris des dégâts par contre? 46. J'ai pas vu si ça avait pris des dégâts. Mais ça n'a pas pris de dégâts. Il nous faut plein d'archers en fait. Ah, non. C'est vrai que c'est un pourcentage de chance ou alors c'est parce qu'il n'avait pas d'armure. Cette unité doit être soignée avant le prochain repos, sinon elle sera contaminée. Je vais voir un peu. Dégâts de poison régénère sa santé. Non, il n'y a pas écrit en fait. Ça va être un truc caché. Bon, faut faire des AOE hein, parce que là. Là on galère. Là. Bon, il faut un... Et on en a 5 je crois des remèdes. Hein. Donc à la limite ça passe. Un remède d'utiliser. Oh non. Ok, deux remèdes. Ok, c'est sur les animaux. Je crois que c'est quand on n'a pas d'armure. Quasiment certain que c'est quand on n'a pas d'armure. Je me demande après un sanglier contaminé. Cette unité doit être soignée avant le repos, sinon elle sera contaminée. Mais contaminée genre quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est contaminé? Ça, ma question. Attends, comment je sais qu'un rat, qu'un truc a joué? Quand j'ai pas la ligne là, comment je sais s'ils ont joué ou pas? Faut que je me rappelle ça. Genre lui va jouer bientôt. Je vois pas. Question. Tiens, il va mourir au prochain tour. Mon cheval risque rien. Slag. Alors toi, encore attendre.
toi, tu vas pouvoir faire un petit carnage aussi. Ah, c'est tactique, hein. Là, c'est tactique à mort parce que. Tactique à mort parce que là, on est limité en fait dans les mouvements. Il y a à chaque fois trois personnes, quoi. Bon, je peux pas faire mieux. Peux pas faire les trois, c'est bête. On tue lesquels? Bah, celui-là, il a beaucoup de vie. L'ours, on le joue à la fin. Faut que ça soit Thor en fait qui aille faire du poison, là. Faire du taper là. Comme ça, on peut le soigner. Bien, 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 bien. Si je revais dans le poison, ça me fait encore deux. Applique deux poisons à toutes les unités qui traversent ou terminent son tour dans le nuage. La zone de poison qui applique deux poisons à toutes les unités qui traversent ou terminent dans le nuage. Je vais gagner 4 si je retourne dedans, je crois. Hein. Faire ça. Ça fait une deuxième attaque. Alors, toi, t'es engagé. Ça va forcer l'autre à l'attaquer, il va tuer. Voilà, très bien. Sans déconner, tu peux vraiment la déclencher, l'attaque. Oh mon dieu, c'est complètement pété. Tu peux la déclencher, l'attaque, je pensais vraiment pas. Parce que... Ou alors c'est parce qu'il était engagé le rat avec lui. Enfin j'en sais rien. Par contre il vient de défoncer Aegram. Oh la vache. Bon bah hein, va falloir qu'il se relie d'amitié. Hein. Oh, putain ça tue. Par contre Aegram elle est dans la merde du coup. Aegram, faut pas qu'elle se fasse toucher, sinon. Je veux bien récupérer un rat par contre. Putain, c'est incroyable! On peut déclencher l'attaque! Oh mon dieu, on peut déclencher l'attaque. Je sais pas si c'est aussi facile que ça ou pas. Il va falloir qu'on regarde après. Que là, je sais pas, il y avait peut-être les rats qui étaient engagés. C'est le rat en fait qui a fait déclencher l'attaque. Bon, par contre, elle s'est pris une putain de baffe là. Oh là là. Ah, ça m'embête ça. Ça m'embête la relation. Là. La relation, ça va pas aller là. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça.
pas besoin de soigner pour le moment, quoique. On a encore plein de points. Non, ce qui fait chier, c'est qu'elle, elle prend du poison, quoi. Et l'autre, il est occupé à faire des va-et-vient, là. Quand ils arrivent, les machins. Donc on peut pas vraiment... Ok, très bien. On va pouvoir la tuer quand on veut. Je trouve ça incroyable. Putain, je peux pas passer. Je trouve ça incroyable qu'on peut déclencher l'attaque quand on veut. C'est magnifique. Ça va rendre le truc super puissant en fait. En plus, c'est une arme niveau 5 et tout, quoi. C'est débile. C'est débile. C'est débile. Cheval support. Bon, c'est ça sur lui. Toi, tu t'es déjà fait. Ouais, il y en a deux qui ont ça. Bon, il y a la lait. La lait, elle est importante. La lait, faut pas qu'elle crève. Faut pas qu'elle devienne contaminée en fait. Après, s'il y a trop de rats et tout ça, on met fin, on tue l'autre avec le l'ours là qui est juste à côté. Et on est bon, quoi. Ah, fais voir, 18. Ok, ça prend des dégâts. Ça prend des dégâts avec les tours. Ok, ça marche. Toi, t'es pas en feu. Donc en théorie, on peut mettre le feu un peu partout et gagner des tours en fait. Gagner des tours. Toi, t'es toujours en feu, c'est bien. Ça marche. Alors, on va devoir réduire le nombre de rats. Alors, Kirik. Putain, je peux pas passer. Tellement qu'il y a de gens, je peux pas passer. Oh, il y a elle, faut qu'on la sauve. Ok. On va le retirer. Ok, maintenant. Est-ce que je peux me mettre... Putain, je peux rien faire, quoi. Alors, attends. Ciblage. On va retester ça. Faut que Taurus il se casse. Hein. Taurus il va se casser. Ah merde, je peux pas passer là. Ah, chier. Tiens, on va tuer lui parce que ça va être un danger pour l'autre. Il a plus trop d'armure. Hein. On va devoir partir bientôt. Hein. Ça commence à être danger. Alors fais voir, fais-moi rêver. Dis-moi que c'était pas une connerie.
Ah putain. Non, ça le déclenche pas. Hein. Il faut que le rat. Il faut que quelqu'un. En fait, faut qu'il d'abord qu'il se. Ah, ok, j'ai compris. En fait, c'est parce que j'avais fait provocation, je crois. Donc, il faut faire d'abord provocation. Ça fait comme si on était engagé. Enfin, oui, ça nous engage. Il faut vraiment qu'on soit engagé. On peut pas cibler. Ok. Je vais m'expliquer. Si on choisit cibler où on veut, du coup, on est en mode ciblage. Et on peut pas se faire provoquer, en fait. On peut pas se faire engager. Je sais même pas si provoque. Non, provoque, ça marche pas. Ça fait le debuff, mais ça marche pas. Donc, ça nous oblige. Enfin, du coup, voilà, on est immunisé en fait à l'engagement. Donc, en gros, par contre, lui, il a provocation parce que c'est un tank. Du coup, on pourrait utiliser provocation. Après, se mettre en ciblage et après utiliser hacker pour taper. Ah oh, putain, ça va être les meilleurs amis du monde. Ça y est, on a trouvé le. Ça va être top. On a trouvé les meilleurs amis du monde. Bon, ça nous a coûté cher. Hein. Ah merde, j'aurais dû taper avec l'autre, j'ai pas tapé. Ça y est, je commence à faire de la merde. Je commence à faire de la merde, faut que je me concentre. Débloque elle. Ah, oh, me dis pas qu'elle va être rebloquée. Ah oh, putain, elle va être rebloquée par les rats. Il y a un putain d'éboulement qui arrive. Ouais, elle a pas d'armure, elle devient maintenant. Ça fait trois remèdes. Là, 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 là. Merde, je l'ai remis à côté du rat. Ah, c'est pas grave. Donc, je regarde qui joue aussi. Ah, ça va. Je pense qu'on peut en tuer deux de trucs. On peut en détruire deux. Par contre, il faut que je trouve un moyen de la sauver, elle. Parce que là, on est dans la merde. Il faut qu'on tue ce rat-là. Ou alors elle part. Puis basta, quoi. Elle se prendra une baffe. Mais là, je crois pas que je peux atteindre le rat en fait par là. Est-ce que toi t'es bloqué? Attends, si je tue celui-là, je débloque l'autre. Ah putain, il va se prendre du poison, machin.
Tu m'aimes pas, quoi. Elle, si elle avait pas une torche, elle pourrait être... Ouais, non, elle va tuer la merde. Ok, bien. Elle est déjà infectée, autant se mettre là, ça fait l'appât. Alors, qu'est-ce qu'il reste à jouer? Attends, les rats ils sont là et là, ok, les deux sont là. Toi tu bloques un peu le passage en fait. À la limite, tu aideras l'ours si jamais il y a un problème et qu'on n'arrive pas à le tuer. J'ai rien dit, l'ours il va le défoncer. Très bien. Ah là, on a trouvé des nouvelles stratégies. Hein. Honnêtement, je suis assez content de moi. Là, on trouve des nouvelles stratégies. C'est bien. Okay. Nickel. Rage. Ok, ça c'est pas normal ça. Dégâts augmentés de 30%. Okay. Alors toi t'es à 10 HP. Toi t'es à 3. Putain, on peut en tuer. Okay. Bon, on va peut-être pouvoir faire deux zones. Ok, lui va faire un malheur. Nickel. Alors, si je joue comme ça, on va retester. Donc, ok, alors je fais ça. Je m'engage. Et je tape. C'est bien, on voit les anses. Ok. Je m'engage et je tape. Ok. Tiens, on peut faire les motivations du truc. Ok. Ciblage. Let's go. Ok. Maintenant. Il n'y a personne dans la zone. Là, ça va désengager. Et ça va le déclencher. Yes! Ok. Parfait. Ok, 3 rats, ça va être problématique. Ok, toi t'as de l'armure. Ouh, ils font mal. Ouh, ils font mal, ils font mal, ils font mal. Il va falloir mettre fin au combat là. Alors, le prochain rat il est là. Alors on pourrait tuer ça. Après il faut qu'on...
qu'on détruise ça là. 10. Ok. On va mettre fin au combat. Hop. Un nid a été détruit. Deuxième nid. Ah, il commence à taper fort en fait, c'est con. S'ils apparaissaient pas un peu à droite à gauche, honnêtement, ça se passerait vraiment bien. Mais là, ils apparaissent un peu trop un peu à droite à gauche. Je pense pas qu'on va... On risque de se faire infecter plus, donc on va y aller. Allez, c'est le moment. Voilà. Eh ben, pour moi, c'est une très bonne réussite. Le cœur est devenu fine lame. C'est une très très bonne réussite. Vos compagnons ont tué 62 rats et ont réussi à détruire 2 excroissants pétrifiés. Je pense que c'est une très bonne réussite. Je suis assez content. On a récupéré un cerveau, un échantillon d'excroissance putréfiée. Extraire des excroissances pestiférées. Cette substance pourrait être grandement utile en alchimie. Et on a eu 29 cuirs pestiférés. On a eu 23 sangs infectés. 22 rats de la carcasse. Je trouve pour cette difficulté, je crois qu'on a fait du très très bon boulot. Et on a appris pas mal de choses. Donc quand on en retrouvera des nouveaux, là, des choses, des rats, des camps de rats, on va pouvoir faire des choses. On va pouvoir faire des choses. Donc là, on a un rat, consomme 2, ça va. Et on peut lui mettre de l'équipement. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, déjà, on peut lui mettre des trucs. Un peu les stats. Bon, les stats, c'est tout petit. Hein. C'est vraiment le truc qui fait chier, quoi. Par exemple, c'est un pyrophobie, évidemment. Alors, cette unité a une chance de trouver du fromage en visitant les lieux. Ok, c'est intéressant. Nécrophagie. Si cette unité tue un ennemi, elle supprime sa consommation de nourriture pour le prochain repas. C'est intéressant, mais c'est pas utile. Le fromage, j'aime bien. Après, qu'est-ce qu'il y a? Appelle une unité de son espèce en renfort. Utilisable seulement à partir de 50% de santé restante. Ouais, non, mais attends, t'as vu le truc? Il a 12 HP, quoi. Survie de l'espèce. Si deux unités de la même espèce ont cette compétence, elles ont une chance de se reproduire et de faire naître une nouvelle unité après un repos. Oh, tu peux avoir genre une armée de rats? C'est intéressant. Cette unité a rage la nuit. Rage, dégâts augmentés de 30%. Organisme remarquable. Cette unité ne peut pas mourir de dégâts provoqués par saignement, poison, brûlure. Bon, bah on va le garder, notre petit rat. Inflige 3 à 4 dégâts à cible, lui inflige fièvre. Non mais attends, ça c'est bien en fait. Ça c'est bien. Dégâts subis augmentés de 10%. Genre, si on a des rats partout, ils mettent fièvre tout le temps. Donc ils vont prendre très cher les gens. Bon, par contre, on a merdé un moment. Tolère. Ouais, on l'a... Désolé. Hein. On l'a... Ouais. Est-ce, si on les met de côté, est-ce qu'ils vont se mettre sur la gueule ou ça va les... Ils vont se... Se remettre ensemble. Genre se... Essayer de pas se mettre sur la gueule. Ça, c'est les trucs à manger. Ouais, c'est notre nouveau compagnon, les mecs. On a un rat. C'est magnifique. Magnifique, ce jeu. Là, je suis en pur kiff de fou, quoi. Alors, par contre... Faut gérer ça. Donc blessure pestiférée, 25%, 100%.
beau. Maintenant, on fait bien des houilles. Alors, t'as la lait dominante. Mais non, mais elle, elle nous aide bien, donc... Elle nous aide bien. Oui, elle nous aide bien. Oui, celle-là, on la douane. Maintenant, c'est très très bien débrouillé. Donc ouais, ils ont une blessure pestiférante si jamais on n'a pas d'armure. Donc tout ce qui est animaux, c'est dangereux de les utiliser. Alors après, il y a un sanglier qui a blessure pestiférée. Avant le prochain repos, sinon elle sera contaminée. Genre contaminée, mais ça veut dire quoi? Genre, ah, je crois qu'il faut qu'elle mange. Bah, c'est comme Taurus, en fait. Il était contaminé, lui. Genre, il avait besoin de manger que de la viande. C'est lui qui a gagné fine lame. Critique et dégâts, augmenté quand une arme à une main. Par contre, la Kirik, ouais, il avait fine lame. Bon, après, de toute façon, il va s'habituer à ça. Non, mais ça c'est top. Ça, c'est top. Là, on a trouvé un moyen. Puis en plus, il a provocation. Donc du coup, on peut faire en sorte qu'il s'engage avant... genre dans le même tour. En fait, le plan idéal, c'est ça. C'est on le fait avancer. Il fait une charge implacable. Après, il a dégâts et critiques augmentés de 20% contre les ennemis ayant au moins un malus. Donc, il fait charge implacable. Il traverse. Il met ralentissement, s'il tape, il fait plus de dégâts. Ou alors même, sans faire ça, il va à quelqu'un, il fait provocation. Il y a affaiblissement qui se déclenche, donc du coup il fera 20% de dégâts. Après, une fois qu'il a fait, provocation, ça veut dire qu'il sera engagé. On fait la vengeance de Lucilla. On passe son tour. On utilise Aker. Écran de fumée, il défonce tout. C'est très 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 puissant. En fait, ça demande du bricolage en fait. Enfin non, c'est pas comment dire. Ça demande du ah putain, je vais y arriver. Comment dire? De la préparation en fait. De la préparation. Beaucoup de préparation même. Mais c'est très puissant. 22 raptes. Mais c'est très très puissant. Là on n'a qu'une seule carcasse. Donc je trouve ça très intéressant. Un deuxième archer pourrait être pas mal. Hein, maintenant que pour les rats. En fait il faudrait avoir des gens qu'on peut récupérer pour des jobs spécifiques en fait. Bon, par contre, on fait quoi avec notre problème de poids, là? Oh, l'autre, elle s'est pris une baffe monumentale, quoi. Elle a perdu toute son armure. Déchirure aussi. Elle s'est fait déchirer. Hein. Mais là, ouais, là, elle s'est fait déchirer. Et j'avoue que c'était violent. Par contre, moi, j'ai pas vraiment envie de soigner le sanglier. Hein. À la limite, on peut le tuer à la prochaine, mais j'ai pas vraiment envie de le soigner. Par contre, on va faire des poches supplémentaires pour le rat. Ce jeu est énorme dans le sens où on peut avoir une équipe en fait de n'importe quoi. C'est ça qui est magnifique. Genre là, on a un rat domestique pestiféré, quoi. C'est dégueulasse, c'est horrible, vous imaginez? Enfin moi, les rats et tout ça, les cochons d'Inde, les hamsters et tout, ça me dérange pas du tout. J'en ai même eu un quand j'étais petit. J'avais eu un cochon d'Inde, je crois. Ouais, c'est ça. Mais bon, là c'est un rat pestiféré, quoi. Il a des pustules, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est bon. Mais bon, le machin, il est vachement bien. Il régène au poison en plus. Bon, par contre, il va se faire one shot, hein. Ça, c'est le problème. C'est comment le garder en vie. Là, je vois pas comment on peut le garder en vie. Faudrait lui augmenter la constitution, mais... Ça va lui donner combien de vie en plus? Quasiment rien. Mais bon, après, voilà, il fait fièvre. Ça, c'est super intéressant. Infecté. Cette unité est infectée par la peste.
Elle pourra la transmettre en combat via une blessure. D'accord. Bon, en tout cas. On continue. Bon bah du coup on va, je pense, rentrer. Hein. C'est là où on changeait de zone ou pas? Je me rappelle plus. Auberge du Mont Altis. Ouais, oui, oui, c'est là, c'est là, c'est là. On va pas continuer parce que sinon c'est un peu trop haut niveau. Quoi ça? C'est qui, c'est des marchands qui vont au refuge? Oh, il y a les esprits. Attends, 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 attends. Il fait encore nuit, le temps qu'il fasse la nuit. Moi, je veux bien faire les esprits là, voir ce que c'est. Ah, on a combattu les rats et puis en plus on a récupéré un quoi. Ça, c'est cool, ça, c'est... Je pensais vraiment pas qu'on pouvait. Ah, la constitution réduit d'une moitié. Attends, t'inquiète pas, mon petit. Ça va. Je peux plus infliger de coups critiques. Toi, tu as dégâts réduits de moitié. Oh là là, vous êtes chiant quand même. Ok, on va essayer d'attraper les fantômes. C'est parti. Ah mais on a plus de... Ouais, c'est pas grave. Niveau 3. Loup fantôme, sanglier fantôme. On a fait une attaque surprise mais ils avaient pas de cône, rien. Ouais, ça va, c'est du niveau 3. Je crois qu'il nous faut les pots pour faire quoi. Je sais plus pour quoi faire. Je sais plus. Mais je crois que c'était pour quelque chose d'important. Ah si, l'armure de notre poney. Bon, on les a eu par surprise, je suis surpris moi aussi. Alors, loup fantôme. Ouh la vache. Ah. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Donc, croix serrée, saignement. Et après, il a allure terrifiante. Chaque fois que cette unité attaque, elle applique 1 de terreur. Si elle meurt, réduit de 3 la terreur de l'unité l'ayant tué. Au bout de 5 applications, l'unité terrorisée fuit le combat. Ouh. Oh, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut les attraper? C'est des fantômes, j'imagine que non. Sanglier fantôme. Oh, la vache, il y en a classe. Alors, dégâts, ok. Gardien de la forêt. Et après, ils font juste terreur en plus, en fait. Je vais être honnête, je dirais pas non à un loup fantôme, en fait. Je sais pas si on peut. Donc, il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. Ok, ils sont tous en... Ouais, quand on les a surpris, donc ils sont en cercle. Alors, toi, tu vas te mettre derrière. Poney, tu vas te mettre là. Donc la terreur fait partir, c'est intéressant, ça. Notre petit rat, on va le garder en vue. Hein. Alors, tour ici. Il faudrait des AOE. Kiri qui passe par là, ça peut être bien. 8, 8, 8, 8. Comme ça, tac. Ok, ça marche. Enfin, 8, non, on peut le faire inverse. Hop. Ouais, ça peut être pas mal. La tank. L'ours. Will. Kiri. Ok. On est bon, je crois.
Pas motivation, provocation. Ah, j'ai pas de points. Je pense pas que ça soit utile de faire ça. Je vais la mettre quand même, mais... Je veux pas tuer le truc en fait. Bon, du coup, il nous faut des points quand même. C'est engagé, je vais voir. Chaîne d'Alazar. Nécessite chaîne d'Alazar. Ça tue... Donc on peut... On peut les faire prisonniers. On peut les faire prisonniers, mais il faut des chaînes spéciales pour les fantômes. Ok, putain, ça pète. Ah, oh, c'est magnifique ce jeu. Ils ont eu quoi? Fureur, ah, okay. Magnifique ce jeu. Doré, je sais plus. Il prend un point quand il engage. Hein. Pas du tout. C'est quoi qui lui fait prendre un point? Bah si. Ah oui, mais non, mais comme on tue directement... Content, on a fait un bon. Des fois, c'est ça qui est bien dans le jeu. Ah oui, c'est toi que tu peux tuer. C'est que. En plus, on est avec la difficulté très élevée. Donc, du coup, c'est très compliqué. C'est très dangereux de faire les choses. Mais quand on a. Quand ça commence à avancer, on a une super. Je trouve que ça décuple les émotions par rapport à. À ce qu'on fait en fait. Genre par exemple là on a détruit deux, pour les rats là je parle, on a détruit deux machins. Que deux. En facile ou en normal, je suis sûr qu'on peut en détruire 5 ou peut-être les 7 par exemple. Est-ce que c'est autant gratifiant? Parce que du coup c'est rouler sur le contenu. Est-ce que c'est gratifiant de rouler sur le contenu? Pas vraiment. On va faire ça. Bon, bah ça peut brûler les fantômes en tout cas. Ah, les loups, ils ont quand même beaucoup de vie en fait. Hop, 2 points. On lui a donné quand même la lame. Lame magique à elle. J'y crois pas, quoi, la baffe qu'elle s'est prise quand même. Putain, c'est un truc de fou. Mais elle a résisté. Elle a prouvé. Elle a prouvé sa valeur. Elle a prouvé. Elle pouvait... ok, je me brûle pas.
Ah, mais elle n'est pas engagée. Je fais rien en fait. Elle a prouvé qu'elle pouvait résister. Elle a pris une baffe de Lucille, quoi. Non, on va peut-être pas buffer. J'ai envie de tester le rat, mais. J'ai peur que mon petit rat il se fasse attaquer en fait. Reste là, le petit rat. Le petit rat, le petit rat, c'est trop bien. Désolé. Toujours un peu malade, hein, putain. Il va faire 2 semaines. Nickel, nickel. A remarquer que eux aussi, on n'a pas de cran en fait. Avec galvanisation ou alors le fait qu'ils veulent fuir. Non, ouais, c'est des fantômes quoi. What the fuck? Oh, 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 c'était pas prévu ça. C'était pas prévu du tout. Ok, on va devoir se regrouper. Ok, toi. Brouillard, attends, ah, fais voir. Brouillard fantôme, zone de brouillard qui masque la visibilité et qui applique un terreur à toutes les unités qui traversent ou terminent leur tour dedans. Mais il y a un truc à détruire ou pas? Non. Non, c'est juste que... J'imagine qu'il faut tuer les trucs, quoi. Ok. Ah, ils se bloquent, je crois qu'ils essayent de faire des tours en fait. Bon, là on a les deux, ça va. T'es obligé de taper toi du coup. Ah non, on peut le désactiver, ok. Ça marche. Ah, mais je peux le désactiver et jouer quelqu'un d'autre? Non, non, je me suis dit, c'est un peu abusé. Là, nickel. Oh la débile! Oh la débile! Ça me rend fou. Là. Ça a enlevé le debuff et tout ça. Ah, faut pas être submergé en fait. Mais ouais, c'est chaud quoi quand on n'est pas préparé. Après, comme j'ai dit, ils se gênent l'un l'autre. Hein, donc, hein, c'est pas vraiment.
pas un problème. Par contre, j'espère qu'ils vont pas venir par 50, quoi. Ouais, ça va. Voilà, ça te prendra. On bouge le sanglier en fait. Ok. Je vois la le coup dangereux en fait de ce que ça peut être maintenant. Ah, je sais pas où ils sont. Tiens, ça enlève le brouillard, je crois. Intéressant. Là, on est dans la merde. Terreur à tous une des traversant, terminant leur tour dedans. J'ai pas envie de le perdre, le rat, en fait. J'ai pas envie qu'il se fasse défoncer. Donc, on va attendre. Toi, je sais pas où te mettre. Toi, il faut te mettre dans un coin où... qu'il se fasse soigner. Il n'y a pas de feu là. Et là, il n'y a pas de feu, il touche personne, ça va. On va mettre l'ours là, si jamais ça vient du derrière. Ça m'embête, là, ça va prendre 3 plombes de se replacer. Ce sanglier part et après on peut faire du jeu quoi. Ok, il n'y a pas eu de nouvelles apps. 10.
Après, ils ont pas énormément de vie, ça va, mais quand on va commencer à avoir peur et que tout le monde part, ça risque d'être un problème. Cauchemar. Cauchemar niveau 4. Inflige 11 de dégâts de la santé et applique lien de terreur à la cible et à un autre compagnon aléatoire. Cette unité subit 3 terreurs à la fin de son tour. Retiré quand devient adjacent un allié affecté par cet effet. Au bout de 5 applications, l'unité terrorisée fuit le combat. Quoi? Je comprends pas. Alors, lien de terreur, c'est... Une unité subit 3 terreurs à la fin de son tour. Retiré quand devient adjacent à un allié affecté par cet effet. D'accord. Allure cauchemardesque. Chaque fois que cette unité subit des dégâts, elle applique 1 terreur à l'attaquant. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ça, j'imagine que ça, c'est le gros boss méchant, quoi. Est-ce qu'on... Ouais, on gagne terreur. Ok, brûleur, très bien. Saignement, très bien. L'alpha, il faudrait le sauver. Attends. Ok. Kiri. Kiri, ça va être le moment de faire la tactique. C'est parti. On a l'inspiration en plus. Ok. La stratégie, comme à l'entraînement, ok? Provocation. Let's go. Provocation, on est engagé, ça marche. On est ciblé. On est ciblé. Ok. Maintenant, hacker. On a encore des points. Hacker. Putain, le cheval, il nous a fait... Il nous fait aller super loin. C'est super bien. Maintenant, hacker. Comme à l'entraînement. Est-ce qu'il faut que je m'avance ou pas? Non, on est bon. Boum. Let's go. Magie, magie. La magie apparaît. Let's go. Voilà, très bien. Parfait les deux, parfait. Alors, est-ce qu'on peut faire un miracle ici?
pense pas. Non. Non, il va falloir qu'on bouge le sanglier, sinon c'est la merde. On a deux de terreur. Putain, l'autre il s'est fait one shot. Oh là là, enfin one shot plus ou moins. Magnifique. Bon, il y en a quand même encore 8, hein. On n'a pas fini. On a tué le boss, c'est déjà ça. Alors, comment on peut faire en sorte que... Cercle. Nickel. Nickel. On est bon. On va se mettre avec avec Whitley. Ouais, je peux pas toucher les deux. Donc on va se mettre avec Whitley, comme ça on se met en joue là pour taper si jamais. Taurus, tu vas me défoncer cette merde. Pas eu de fureur, c'est pas grave. Ok, ça va. Ah, très bien. Hop, deux points, nickel. Alors, est-ce que là on pourrait... Will. Très bien, tu vas pouvoir aider. Nickel, très bien. En plus, Will, t'es full armure. Toi, on va se reculer un peu. Ça c'est super bien cette habilité, en plus elle coûte rien et il peut la faire tout le temps, c'est méga top. Ok, on a un loup fantôme, il reste plus que 4. Nous reste qui à jouer, on a l'ours. L'ours a pas fait grand chose encore. Elle saigne. Il va falloir la soigner. Mettre l'ours ici, le faire avancer au pire. L'ours, on peut le rendre encore plus tanky en fait, maintenant que je vois, j'y pense. Avec, avec le loup. T'as encore de la mûre, Tortre ? En plus t'as pas de terreur donc ça va. Toi tu prends de la place en fait. Alors, de 4 on passe à... dis-moi que ça reste à 4. Yes, ça reste à 4, ok cool. Ok, je pense que c'était la dernière vague avec le boss en fait. Genre vous avez... les monstres de base après une vague, après deuxième vague, boss. Donc les 4, il doit être là. 1, 2, 3. Ouais, il doit être là-dedans. Voilà.
se mettre là. Soigner, plus de saignement. Et on va se remettre en joue, comme ça. Là, il se protège. Ok, ça leur a enlevé la terreur et tout ça, donc ça va. Ah, mettre du feu, hein, ça enlève la terreur. Hein. Ça enlève le brouillard. Ah, par contre, marcher dans le feu, c'est pas marrant, mais... je préfère faire le brouillard que le feu, merci bien. Alors, le saignement... Est-ce qu'il y a... Non, Mené et Witt sont côte à côte, en fait. On les a joués. Pire, ce qu'on peut faire, c'est... On se les fait se rencontrer... On ne va pas le mettre lui dans le feu parce que sinon... Faut qu'on tue rapidement là. Voilà, très bien. Déjà tout a avancé, c'est cool. Pas mal, pas mal. Il y a juste l'alpha qui me fait peur en fait. Il va prendre le feu. Je vais le mettre là. Et 10. Ça devrait aller. Ok, on va attendre que lui il avance sur eux, comme ça ils vont faire du combat parce que là, là c'est un peu catastrophique. On peut faire. De l'exploration. Ok, 2. Ok, très bien. Il a pris feu ? What ? Oh merde, peut-être que je fais de la merde. Il va peut-être aller sur Hacker. Il y a des cailloux là, c'est relou. Extrêmement chiant. Bon, le combat il dure un peu trop longtemps là par contre. Moi ça commence un peu à me saouler. Il y a encore une deuxième bestiole et on sait pas ce que c'est. Hein. C'est un loup fantôme, ok, ça va. Ok,
Toi, bouge pas. L'épée, la antique, honnêtement, elle est très très bien. Ça nous aide vachement. Pour gagner des points, là. Magnifique. J'aurais dû taper avec l'allée d'abord. Je pensais vraiment pas qu'on allait, on pouvait faire autant de dégâts. C'est pas grave, c'est fait, c'est fait. La prochaine fois, on jouera mieux. La prochaine fois, on jouera mieux. Mais je suis très satisfait de ce qu'on a fait déjà. Donc voilà. Sans deck. Oh putain, je peux pas aller à côté. Ouais, ça va, oui tu peux. Oui, tu peux tout faire. Yes. Alors, pur blanc. Globe oculaire rouge. Un globe oculaire dont la couleur rouge vif donne de la nausée. Des crocs, du loup, du porc, cuir blanc. Un cuir étrange dont l'aspect soyeux contraste avec sa robustesse exceptionnelle. Torte à monter de niveau. Yes, let's go. Ok. Maintenant, on peut dormir. Yes, let's go. Eh ben. Ah, c'était... Oh. C'était un peu épuisant, là. Bon, par contre, on a un problème. On a le sanglier, celui-là, là. Je voudrais voir ce que ça fait, en fait, la blessure pestiférée. Je veux voir ce que ça fait. Si le truc, il doit bouffer de la viande, honnêtement, c'est pas grave. C'est pas très grave. Parce qu'on mange toujours de la viande. Donc ouais, ça passe. Après, personne d'autre est... rupture des ligaments, ça va. Là, on a une déchirure, ça va. Il n'y a que lui, en fait. Et du coup, je veux voir ce que ça fait. C'est pas très grave. Si on perd le sanglier, c'est pas très grave. On se débrouillera pour le poids. Ah putain, mais lâchez-moi là. Et... On a eu 10, 10 cuirs là, c'est vraiment cool. Ah cool, on peut faire de la viande séchée avec, avec les rats. Ça, ça tue ça par contre. Ah, c'est vachement bien du coup. Deux rats, ça produit 4. Donc c'est cool. Et le gibier, par contre, ouais, il pèse l'ours, tout ça. Ah là là. C'est épuisant, les aventures, là. Mais c'est tellement fun. C'est tellement fun, en fait, ce qu'on est en train de faire. Je suis très content. Ok, cool. Terrible. On a ça qui est de retour. Et voilà. On va voir ce que ça fait, le sanglier, là. Que... Alors, certains compagnons sont devenus pestiférés, car leur blessure pestiférée n'a pas été soignée. Sanglier, ok.
compagnon est heureux. On a récupéré 7 de points de bravoure. On a 4 viandes. Faut acheter du rat maintenant, en fait. Alors, fais voir maintenant ce que ça fait. Contaminant, cette unité est contaminée par la peste. Elle ne peut se nourrir que de viande et risque de perdre la raison si elle est affamée. Ça va. Ça, vu qu'on mange de la viande tout le temps, c'est pas très grave. Tant que le machin devient gras. Nourriture de... Ouais, non, c'est bon, il n'y a pas de problème. On mange toujours de la viande maintenant. C'est plus... On n'a pas ce problème-là, en fait. Donc ça va. J'avais jamais vu d'aussi dégueulasse qu'un nid de rat. Cette pourriture partout, j'ai l'impression de la sentir encore. Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. J'avoue. Moins un avec la relation, non. Implorer Saint-Géru pour ne plus y retourner. Thor gagnera le trait désespéré. Je sais pas ce que c'est. Faire promettre au groupe de ne pas y retourner de sitôt. Obidera. Non. Attends, si c'est rouge, enfin si c'est cette couleur orange là. Ah non, c'est un statut. Ça c'est un trait. Désespéré. Je suis curieux. Putain, j'espère que c'est bien. Oh la vache, quelle merde. Fais chier, quoi. Volonté diminuée de 2. Bon après c'est pas trop grave. Que valeur de 12, donc si on est en dessous de 12 en fait on n'a plus le fait de la première fois que cette unité est censée mourir au combat, elle reste en vie. Une fois par combat, mais il faut 12 points de base. Lui c'est un érudit, donc il en gagne 2 déjà, donc il n'y a pas vraiment de problème. Par exemple, 8, lui il n'en a pas 12, c'est un problème. Bon bah du coup ça va, c'est bien passé. Ça s'est bien passé. On n'a pas de pégant à vendre, non. À rendre, non. On va s'arrêter là. Ça s'est très bien passé. On va pouvoir crafter des nouvelles choses. Je suis content. Putain, on va mettre tous les rats là, en fait. Parce qu'après, la phobie des rats, c'est un statut. Alors, je sais pas combien de temps ça... Ah, je crois que c'est peut-être jusqu'au prochain... La prochaine nuit, à la limite on aurait pu faire ça, mais bon c'est pas grave, c'est un érudit comme j'ai dit. On va s'arrêter là. C'était un super épisode un peu long. Mais entre les rats, entre les trucs fantômes, là c'était super quoi. J'ai adoré. À la prochaine, portez-vous bien, ciao.